En direct de Toronto, 1er juillet 2019, c'est Olivier et je suis ici parce que le 30 juin dernier, soit hier dimanche, j'ai eu la chance d'aller voir le concert de K-pop de GOT7 au Scotiabank Arena. Un concert a commencé un petit peu en retard pour laisser la chance aux gens de pouvoir acheter des light sticks et des marchandises comme des t-shirts ou des hoodies. Mais bon, on est en retard, un petit 10 minutes. Mais le concert était vraiment génial parce que ils ont joué à peu près plus d'une vingtaine de chansons. Si je regarde la liste qu'ils ont joué quelques jours auparavant, il se disait 35 morceaux, mais ça inclut aussi des vidéos recording, ce qui fait des pauses pour le groupe, parce que c'est un show non-stop où est-ce qu'ils dansent, ils chantent constamment pendant presque 2 heures, même un petit peu plus que 2 heures. Le spectacle était vraiment génial parce que c'était dans une grosse arena, donc il y avait beaucoup d'effets d'éclairage, de jeux sur des écrans graphiques, des jeux graphiques, soit typographiques, soit un peu abstraits ou selon leur concept de leur tournée qui est Keep Spinning. Donc beaucoup de trucs qui bougent, qui tournent, donc ça fait un visuel super intéressant à voir. La foule était en délire, là. Ça arrêtait pas de crier, puis même à certains moments, c'était plus dur d'entendre ce qui se disait ou ce qui était chanté parce que ça criait tellement. Il y en a sûrement quelques-uns ce matin qui doivent plus avoir de voix. C'est pas vraiment mon cas, mais bon. Parce que je suis pas vraiment du genre à chanter puis à crier dans les concerts, mais bon.
Mais en général, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Donc, Got7, c'est beaucoup adressé au public. Je pense 90% c'était en anglais. Donc, c'est vraiment génial parce que pas besoin de traducteur, pas besoin de faire semblant de comprendre. Il y a peut-être un ou deux membres qui ont un petit peu plus de difficultés à parler en anglais, mais au moins ils faisaient vraiment l'effort de parler en anglais, même si les phrases étaient un peu saccadées, un peu plus réfléchies parce qu'ils cherchaient ces mots. Mais ça fait vraiment de beaux moments parce que c'est le fun que l'artiste réussit à s'adresser au public. Et il y a beaucoup d'interactions avec le public, un peu de fan service. À un moment donné, je sais plus quel membre parlait d'une des sous-unités du groupe et je pense qu'il voulait pas trop en parler. J'ai pas trop compris pourquoi, mais il a décidé de faire un petit peu de aegyo, ces moments cute, pour passer la question et faire autre chose. Donc, petit fan service. Il n'y en avait pas tant que ça, surtout à la fin, peut-être plus, parce que leur appel il a duré longtemps et c'est à ce moment-là aussi ils sont un peu moins dans les chorégraphies, plus dans l'interaction avec le public, où est-ce qu'ils prennent qu'est-ce qu'ils reçoivent sur scène, il y en a qui leur lancent des trucs. Donc, de manière générale, j'ai vraiment apprécié mon expérience de GOT7 au Scotia Bank Arena. C'était mon deuxième concert de K-pop. Le premier était en 2017 avec Yuna à Montréal, où est-ce que je suis sorti là un peu déçu avec le prix que j'ai payé. Là, pour GOT7, j'ai pas cette impression-là parce que il y avait vraiment beaucoup de contenu pour le prix du billet. Oui, c'était 200 $, mais je crois que pour la durée du concert, ça valait vraiment la peine en tant que tel. J'ai fait un petit achat d'un lightstick, le lightstick officiel de GOT7. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y a soit un défaut de fabrication ou quoi que ce soit. J'ai été obligé de changer mon lightstick en plein milieu du concert parce qu'il n'arrêtait pas de s'éteindre. Mais la deuxième version, la deuxième copie plutôt, devrais-je dire, faisait un peu la même chose. Donc j'ai l'impression que soit c'est le caisse des batteries qui est un peu mal faite parce qu'il y a une espèce de lanière pour enlever les batteries, mais ça doit faire un faux contact, ou bien les batteries étaient juste tout simplement cheap en tant que telles. Donc c'est peut-être la seule déception que j'ai eue pour un concert parce que le lightstick coûte quand même 60$ et je passe mon temps à appuyer sur le bouton pour qu'il rallume. J'ai l'impression que j'avais juste moi qui arrivais, ça arrivait parce que dans la foule, la plupart des lightsticks étaient tout le temps ouverts et toujours en fonction. Donc non, au périple à Toronto, je vais aussi aller voir Ace le 2 juillet et Dean avec You Will Know le 3. Donc j'ai hâte d'aller les voir et c'était Ali, on se revoit la prochaine fois.